Vous le voulez comment votre steak? Bien cuit? Ça va faire des belles photocopies, dis donc. Oh mon dieu. C'est la dernière douche de sa vie. C'est la fin. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur The Happy Hills Homicide. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait, le jeu complet est sorti. Donc c'est parti, let's go. Donc on va recommencer tout du début, même ce qu'on avait déjà fait. Oula, on n'est jamais venu ici. On a une échelle. Donc le principe du jeu, c'est d'assassiner des gens. Vous commencez à être habitué avec moi maintenant. Ok, on prend le couteau. La petite musique se déclenche, ça veut dire que ça y est, c'est l'heure du crime. Let's go. Il s'est endormi devant la télé, grosse erreur. Oh my god. Ah, c'est hardcore. Oh, les gars, ils ont mis le zoom et tout. C'est incroyable maintenant. Ah, ça fait vieux slasher des années 80, ça va être trop trop bien. Cassette 2, Spark of Joy. Let's go. Ok, donc il y avait des clés cachées dans le nain jardin. Du coup, on peut ouvrir. On peut escalader. Ok, vous avez vu, il y a une personne dans la douche avec des concombres sur les yeux, en train d'écouter la musique. On va lui faire une Claude François. Si vous savez pas ce que c'est, vous allez le découvrir très rapidement. Ne jamais avoir d'appareil électrique dans la baignoire, les amis. Sinon, ça fait ça, regardez. Électrocution. Oh mon dieu. Ah, l'effet de zoom, ça intensifie tellement le meurtre. Cassette numéro 3, Lawn Enforcement. Ok, donc on a une tondeuse à gazon. Toujours les petits nains de jardin. Là, on a un piège à ours. Vous allez voir. On va le poser au sol. Ici, on se cache. Lui, il est en train de tailler ses haies tranquille. Il a pas vu qu'il y a le piège à ours. Donc il va venir, il va se le prendre. Allez, on lui prend les clés. On prend la tondeuse. Et c'est parti. Let's go les amis. C'est la fin pour toi papy. They see me rolling. Oh my god. Alors là c'est sûr que je suis démonétisé sur cette vidéo les amis. Mais bon, l'essentiel c'est que vous kiffez avec moi. Et là on va kiffer, je vous le dis. Cassette 4, Rain of Fire. Donc ça, dites-vous, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. Le jeu n'était pas terminé encore. Faut que je tape au moment où il y a l'orage. Donc regardez. Dès qu'il y a le clignotement, on tape. On casse la vitre. Oh, c'était limite. On va dire que c'est passé. Donc là, on entre. Par effraction, bien sûr. On a un chien qui dort. Faut pas bouger. Donc il m'a entendu. On va essayer de monter à l'étage. C'est petit à petit, je vais pas prendre de risque. Je sais pas jusqu'à quand on peut avancer. C'est bon. Donc on a quelqu'un sous la douche. Je prends les clés. Il m'a pas entendu, c'est très bizarre. On a une allumette. Donc là on a une chaudière. Alors je sais pas comment on va l'utiliser. On va voir ça. On va essayer de la gauche. Oh mon dieu, je suis juste devant le chien. J'espère qu'il va pas me repérer. Ok, c'est passé. On a un bidon d'essence, allumette, comme dirait Booba. Vous allez voir ce que ça va faire. Ok, je suis juste devant. Je prends pas de risques, j'avance pas plus. Ok, donc là vous allez voir ce qu'on fait. Il est en train de se doucher. Donc la chaudière utilise de l'eau. On va la remplir d'essence. Donc au lieu d'avoir de l'eau, il va avoir de l'essence sur lui. Et le coup de grâce, ça va être avec l'allumette. Vous allez voir. C'est la fin pour toi, mon ami. C'est la dernière douche de sa vie. Oh là là. Oh mon dieu. C'est horrible. Il brûle sous la douche. Il s'y attendait même pas.
Cassette 5, Cabin Fever. Ok, celle-là, je m'en rappelle aussi. On a de la peinture noire. Vous allez voir. Donc, c'est toujours des meurtres à accomplir, vous allez voir. Quoi qu'il y ait un moment, on va switch. Si on entre, il y a un chasseur, on se casse. Il va nous tuer, il a le fusil. Lens atteint la fenêtre. Et on lui couvre avec la peinture. On récupère la tronçonneuse. Vous allez voir. On casse une bouteille et là on se cache. Donc avant c'était dans une haie qu'on se cachait. Là il va arriver. Il est complètement inconscient. Et là, c'est la fin. Oh, c'est horrible. Oh mon dieu, on l'a coupé en deux. Ça a beau être des pixels, c'est tellement gore. Ok, Happy Hills Vice. Donc là on va switch, vous allez voir. On va prendre le rôle d'un policier. Ok, donc là c'est horrible, en gros ils disent ce qui s'est passé. Donc on va voir les indices. Donc ça c'est le point d'entrée, numéro. Donc il a pris le couteau d'ici. Donc c'est l'indice 2. Et du coup, le lieu du meurtre. 16 coups de couteau quand même les amis, c'est énorme. Je suis en colère. Donc il y avait marqué ça avec le sang. Et on doit prendre une photo de la victime. Donc voilà, la victime c'est Gordon Baker, 16 coups de couteau. Donc dans les criminal records, si vous savez traduire, il est pas innocent. Il faisait des choses horribles. Donc note 1, le meurtrier il prend les armes donc des maisons des victimes. Donc est-ce que c'est des victimes qui sont choisies au hasard ou est-ce que c'est des personnes qui ont été vraiment choisies, des personnes particulières. Donc 16 coups de couteau, en colère et personnel. Cassette 6, 9 Inch Nails. Donc vous avez vu, il y a un commissaire qui fait une enquête sur nous. Hein. Un commissaire de police. Donc son but, c'est de nous trouver. Et pendant ça là, ben, nous, on fait nos meurtres. Et on va voir si c'est des personnes choisies au hasard. Ou si c'est des personnes coupables de quelque chose d'horrible. Donc là, faut pas me faire opérer par les lumières. Hein. Donc là, je suis dans une zone d'ombre. Au pixel près. Et on y va. Ok. Happy Hills Cargo. Est-ce qu'on a quelque chose plus tard? Donc c'est verrouillé. Je peux pas encore y aller. Là je suis encore caché. Ok. Le pied de biche ça va me servir à ouvrir la porte. On fait bien attention de pas se faire repérer. Allez on entre. Du coup qu'est-ce qu'on a de ce côté? J'éteins les alarmes. Du coup c'est bon, on va pouvoir passer, vous allez voir, il n'y aura plus les lumières. Je récupère le pistolet à glou. Et c'est la fin pour ce garde, il fallait pas dormir, il fallait garder. Tant pis pour toi. Oh. On lui a refait le visage les amis. Il n'y a plus de clous. Oh mon dieu. Cassette 7, don't drop the soap. Ok. On est dans des vestiaires. Oh, football américain. Ok, il veut pas de mascotte. Donc vous allez voir ce qu'on va faire. Ça, on l'avait vu aussi dans la version précédente. On va prendre la tenue. Lui, il est en train de se doucher. On va passer devant l'autre. Donc là, on peut passer, il nous prend pour un joueur. Alors que franchement, c'est grillé qu'on a un masque de tueur. Donc on prend le savon. Là, il y a des toilettes pleines de caca au fond. C'était un détail. Moi, vous le savez. On va aller voir l'autre qui prend sa douche. C'est très dangereux ce qu'on va faire. On va lui mettre le savon au pied et il risque de tomber. On lui met le savon. On pousse le banc. Et on tire l'alarme. Oh, la mâchoire, c'est horrible. Et le coup de grâce. Oh. Ah, celui-là, what? Oh mon dieu. On est en train de se battre contre lui. C'est horrible de fou. C'est horrible de fou ce jeu. Cassette 8, Just Real Axe. Il y a un jeu de mots avec H. Donc The Hills Herald. On entre à l'intérieur. C'est un bureau. On peut aller à l'étage. Ici on a rien, on va monter. Wow wow wow. Ok, on est dans l'ombre.
Donc lui il fait des photocopies. Ok, donc on attend qu'il se retourne. On se cache. Je sais pas trop ce qui va se passer là sinon. Ok, on se cache. Il va revenir. Donc là il revient. On prend la hache. Ok, il arrive, on entend ses bruits de pas. Et on va l'assassiner. Oh non, je pensais qu'on devait le tuer maintenant. Ok, donc on récupère la hache, on le suit. Et là, ça va faire des belles photocopies, dis donc. Oh mon dieu. Regardez, c'est en train de photocopier son visage. Oh là là, mais on est vraiment un malade mental. Cassette 9, Number of Fan. Ok, on est dans une attraction horreur. Donc là, ils capteront pas qu'on est un tueur, vu qu'on est dans le thème. Tu es en retard, va travailler mon pote. Ils pensent qu'on est un employé, s'ils savaient. Donc regardez, on a tous les masques mythiques, Jason, Scream et Michael Myers. Et là, on va faire descendre le ventilo. Pourquoi on s'arrête ? Descendre sur la tronche. Alors comment on fait? Ok, on peut aller en haut. Tournevis. Oh, ils vont crever. Ils vont crever. Regardez, ça va les découper. Let's go. Il essaie de nous tuer. Ah, ça va les tuer. Je peux pas enlever ma ceinture. C'est la fin. What? Une coupure de courant. Ok, on va réparer ça. Attendez, je vais vous tuer, attendez. Ok, il y a un délire de fusible. Yes. C'est bon. C'est la fin pour vous, les amis. Ils sont juste devant. C'est la fin. Oh. Oh mon dieu, avec le screamer du vampire derrière. C'est horrible ce qu'on fait, vraiment. Cassette 10, lights out. Ok, donc on va récupérer. Ah, c'est verrouillé. Il y a une échelle à l'intérieur à récupérer. On pourra rentrer ici. Attendez, peek window. Il a déjà tué Tyler et Chad. Il va venir pour nous, c'est sûr. Ok, il veut s'occuper de nous en gros. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on peut éteindre le power. Ok, donc ils ont dû partir. Ok, non, si j'avance, il va me tirer dessus. Donc celle-là, je me rappelle aussi. Vous allez voir. Là, on va servir du couvercle de la poubelle. Et vous allez voir. Oh, ça rebondit dans sa tronche. C'est tellement horrible. Et à l'étage. Ok, si on avance, il nous tue. Donc on va juste prendre les clés et vous allez voir. C'est très très vicieux ce qu'on va faire. On ressort. Donc rappelez-vous, le cabanon était fermé. On va le déverrouiller. On prend l'échelle. J'ai vu une trappe pour aller au grenier. Yes. Oh là là, mais c'est l'épée de Cloud. On va se régaler. Let's go. C'est la fin pour toi. Oh là là, à travers le mur. Ce jeu est incroyable. Oh là là, on l'a coupé en deux tellement. Ok, donc on rebascule sur le commissaire. Et du coup, on doit récolter encore. Ok, donc encore un mauvais meurtre. Hein. Alors, on va chercher les indices. Donc lui, il est en train d'enquêter pour savoir qui est le meurtrier. Mais surtout, s'il y a un lien entre les suspects, bien sûr. Et si les victimes, elles ont fait quelque chose de mal pour être tuées. Ou si c'est des personnes choisies au hasard. Ça, c'est important de le savoir. Oh là là. Brûlé en vie, vous rendez compte, c'est horrible. Et sur le miroir, il y a marqué « Je suis le châtiment ». On va prendre une photo. Donc c'est Hank Wallace qui a été brûlé vif.
Et donc il avait été accusé de conduire bourré et d'incendie criminel. Donc ce type là, il avait fait des incendies criminels et il est mort de cette façon. Donc il y a peut-être une sorte de vengeance là derrière. Donc ça a l'air d'être des actes de revanche. Donc toutes les victimes jusqu'à présent, elles avaient un casier judiciaire et le tueur pense qu'elles le méritent. Et donc sur la vitre, quand il est rentré par effraction, le tueur, ils ont retrouvé un morceau de tissu justement de sa combinaison de concierge, mais ils n'ont pas trouvé d'ADN correspondant à leur base de données. Donc là, dites-vous que le policier est sur une piste. Donc il sait que le tueur est en train de faire payer aux victimes. Donc elles ont toutes fait des crimes horribles en gros. Et on va repasser sur le tueur pour la prochaine cassette. Cassette 11, Death from Below. Ok. Donc là, on est en extérieur. Submerge. On peut se submerger. D'accord. Oh là là, c'est horrible. Elle me trompe. Ah ! J'avais peur de mourir noyé. Ça, c'est tout nouveau. Hein. Donc, on n'a jamais fait ce level. Mais qu'est-ce qu'il a, ce pêcheur ? Je savais pas qu'on pouvait chasser au fusil. J'ai peur de mourir noyé. Hein. Ah, il met des feintes en plus. Ça va être très compliqué, là. Oh là là, les amis. C'est horrible ce qu'il est en train de faire. Oh là là, c'est horrible. Il peut tirer autant loin? Oh, c'est chaud là. Allez, on prend pas de risque. C'est bon. Oh, j'ai réussi à passer enfin. On a un harpon. Je vais le tuer avec un harpon? Ok. Ah, ça va être super dur là. J'essaie d'avancer à nouveau. Allez. Ça va être compliqué. Hein. On va essayer de l'approcher. Ça aurait été bien d'avoir un sniper là. Et la portée de sa lampe. C'est très très compliqué. Hein. Allez. Oh mon dieu. Ok, celui-là il demande beaucoup de patience, les amis. Allez, on va le finir. Ah, il mérite, hein. Oh, on l'a empalé. Incroyable. Ah, il méritait. Vraiment, il méritait. Il m'a fait galérer. Cassette 12, Motel California. Ok, toujours ces petits jeux de mots. Bates Motel. Porte 14. Porte 13. Donc c'est verrouillé pour l'instant. On peut aller à l'intérieur là. Ok, donc on va rentrer. On a des clés. Donc c'est tout ce qu'il y a à prendre ici. Donc là je découvre, on n'avait jamais fait ça. C'est des nouveaux levels. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Ok, donc on n'a rien ici. La 13. No room service, merci. Ok, on va essayer de trouver un moyen de rentrer. Sinon ils nous laisseront pas. Alors on a un cintre. Alors, attends qu'elle soit endormie. Comment attendre qu'elle est endormie? Alors attendez. Dès que ça sera éteint ici. Il y a un délire avec l'alarme, c'est obligé. C'est bon. Elle dort. Et on va la tuer avec un cintre. C'est parti. Ah, c'est horrible! Oh non! Mais pourquoi il fait ça? Oh là là! Ça... Oh là là, l'œil qui est sorti à la fin, ça prend tellement de temps en plus pour tuer la personne! Cassette 13, medium rare. On est dans un diner, les gars. On est fermé, va-t'en! Ouais, ouais, tu vas voir, toi. Tu vas voir. Ok, il est en train de faire la cuisine. Ah, il m'a vu. Ok, va falloir faire un truc avec ce cuistot. Go inside. Je peux me cacher là. Oh, regardez. Je suis en train de conduire le chariot. Ça n'a aucun sens. On va... What? Ah, d'accord, faire attention, il le voit sinon.
Les gars, ce jeu, c'est n'importe quoi. Donc faire attention quand il tourne la tête. C'est pareil, ça a de la patience. Oh, ça va prendre tellement de temps comme avec le chasseur. Ok, je crois qu'il tourne une fois le steak et il tourne la tête. Mais genre, même là, il se dit pas que le chariot a avancé. T'es mort. Oh là là, sa tête, ça va devenir un vieux steak, les gars. Vous le voulez comment, votre steak? Bien cuit? Oh là là, c'est horrible. Oh my god. Prendre le café? Oh, on lui verse le café et tout. C'est horrible. Oh mon dieu, la tronche qu'il a. Cassette 14, Hay Fever. Il va pas bien, notre tueur, les gars. Je crois que c'est le pire tueur qu'on a vu. Maudit raton laveur, allez-vous-en. Il va voir qu'on n'est pas un raton laveur. Ok. Donc on a pris le râteau. Je pense que c'est des ratons laveurs, le chip. Ok, on va désactiver les pièges. Et on se prend le piège, on est mort, les gars. Voilà. Et du coup, là, hey, oh, on va utiliser ça. Ok. Donc on va prendre la fourche. On le démarre, on se cache. Hide, je me cache où? Oh my god, je sais pas où on doit se cacher. Ah si, là. Il va arriver. Ok, il est là. Et là, c'est la fin. Oh mon dieu. On l'a embroché. Oh, le steak haché. Le steak haché de foin. Oh my god. Mais au moins, il est installé confortablement là-dedans. Cassette 15, Midnight Stalker. Ok. What? Les gars, il y a le flic dans le même bus que nous. Et nous, on est derrière le journal. Qu'est-ce qui se passe? Stop. Dites-vous, on était juste à côté de lui, c'est incroyable. Je pense qu'on va tuer la femme. Celui-là ne la perd pas. Et il y a le flic juste derrière nous. Attention, faut pas qu'elle voit qu'elle est suivie. Je pense qu'il faut pas rester dans la lumière. Ouais. J'ai bien fait d'attendre. Si on la perd, c'est mort. Non! Ok, bon, elle entend les bruits de pas, on va dire. C'est un être humain normal en même temps. Ok, c'est bon, elle m'a pas vu. Si elle savait... Elle partirait en courant. Hein. Oh, c'était limite là. Yes. Comment on va l'assassiner, vous pensez? Mais meuf, si t'es pas sereine, au bout d'un moment, faut courir. Oui, bien joué. Laisse-moi courir. Non! Ok, elle a senti qu'elle était poursuivie. C'est bon, ça passe. Oh là là, elle met des feintes. Mais elle est malade, elle court, elle s'arrête. Elle court et t'arrêtes jamais en fait. Alors on se cache dans la porte. Faut surtout pas la perdre, les amis. Ah non, elle m'a mis une feinte. Allez. Oh là là, c'est long cette course poursuite. On a une paille. Non, elle a vu un bout de mon pied. Ah non, c'est la fin pour elle, c'est bon, elle m'a pas repéré. Elle est morte, on va lui fracasser le crâne. Elle est dans un cul-de-sac. Arrêtez-vous. Non, c'est le policier. Oh, ça y est, il a fait la confrontation. Je t'ai attrapé maintenant. Reste en dehors de mon chemin, détective. Tu es en état d'arrestation. Je vais seulement te prévenir une fois. Je suis la mort. What? Mince! Les gars! Il a réussi à s'enfuir, on s'est gavé! Ok, donc on reprend le rôle du policier. Ah, il doit être traumatisé de ce qu'il a vu là.
Donc pareil comme d'hab, on cherche les Engis. N est mort. Il est de plus en plus agressif. Ok, j'espère que ton estomac peut supporter ça. Justice. Donc le meurtrier, il fait une sorte de justice, on est d'accord, hein. Un peu à la façon de Jigsaw. Ok, donc il tue de façon créative. Mais c'est quand même horrible, hein. Ok. Rien ne peut arrêter ce qu'ils méritent. La mort est leur cadeau. On va prendre la photo. Donc c'est Bill McSawyer qui est mort. Ah, par contre, il avait rien de criminel, lui. Il avait pas de casier. C'est vraiment bizarre. Donc du coup, quelle est la connexion entre les victimes? Est-ce qu'il veut une revanche? Donc c'est possible qu'il revienne pour la fille, Madison Carpenter, celle qu'on avait bloquée dans la rue. Donc du coup, elle va être sous protection. Allez, on continue. Cassette 16, no loose hands. Ok, donc on est en train d'observer, vous avez vu, on a des jumelles. Et du coup, elle est sous surveillance. Il y a les policiers qui la protègent. Comment on va faire? On est sur Elm Street, hein. C'est une rue très connue dans le domaine de l'horreur, dans les films. Je crois que c'est en rapport avec Freddy Krueger. Donc Freddy qui a les griffes. J'ai jamais vu ce film d'ailleurs, faudrait que je regarde, je sais que c'est un classique. Et si vous l'avez jamais vu, je vous conseille de le voir aussi. Donc regardez, on va le trapper avec les chaînes. Est-ce que t'as des donuts, Dave? Tu vas voir, j'ai mieux que des donuts. Et là, on l'étrangle jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Allez! Allez! Ne résiste pas, ça sert à rien! Oh là là, il résiste de fou! C'est bon! Il est mort! Donc, trouvez Madison. Oh, il était résistant, le type! On entre à l'intérieur, on va essayer de trouver quelque chose pour l'assassiner. Par contre, personne ne va la protéger maintenant, c'est trop tard pour elle. On a tué le seul flic qu'il y avait devant la maison. Batte de baseball. Non! Esquive! Les gars, les couteaux, c'est horrible! Esquive! Allez, faut prendre la batte de baseball là! Oh my god! Ok, elle a compris qu'elle allait rien faire! On est trop fort en esquive! T'es foutu! Non! Ok, il y avait un timing! Il y avait un timing, les amis, pour la tuer! Par contre, c'est incroyable qu'elle sorte comme ça! Allez, esquive! Ah, ça doit être tellement démoralisant, vous sortez avec un couteau pour tuer votre tueur. Et il esquive tout comme ça. Comme si c'était si simple. Allez, elle est morte. Yes. Elle s'est tuée dans l'escalier. Oh. Oh mon dieu. Je suis désolé, Madison. Pourquoi il est désolé? Tu étais la seule qui était gentille. Mais pourquoi est-ce que tu as couru? D'accord, donc c'était même pas censé être une victime à la base. Mais on était obligé de la tuer, elle était témoin. Cassette 17, what's up doc? Oh non, on a tué la... une personne innocente. Et du coup, on a des affiches de nous. On va les enlever. Tuer Dr. Hawkins. Ça nous fait de la pub, mais bon, ça va pas nous aider là. Ah, le clown de la thérapie, bienvenue. Si elle savait qui je suis. Donc là, je fais du repérage. Porte verrouillée. Oh, il y a un autre clown. Salut, what the... Je pense qu'on va s'occuper de lui. Et on va se faire passer pour lui. Vous avez compris, hein. On va prendre sa perruque. Ah, alors attendez. Dr. Hawkins, chirurgie. Ok, donc on va se rendre en chirurgie. Ah, il y a des policiers et tout, les gars, c'est horrible. Faut enlever les affiches, hein. Freddy était là, Freddy Krueger, Freddy aux griffes que je vous avais dit. On a une personne dans les toilettes. On va prendre l'étage, on va se rendre directement à l'endroit de la chirurgie. Et on va entrer. Attendez. Qui est cette personne? On va la débrancher? Donc je pense qu'on va utiliser cette personne comme alibi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? On n'a rien. Donc j'aime bien cette petite phase où on repère comment tuer les gens. Compris Dr. Hawkins. Donc on sait qui est Dr. Hawkins maintenant. Je pense que c'est lui avec les lunettes. À l'intérieur. Oh, faut vite enlever les affiches, on va se faire repérer. Ok, donc Most Wanted, on a récupéré toutes les affiches. On a eu un petit succès. Désolé monsieur, les chirurgiens seulement. On va essayer de prendre une blouse. Ah mais regardez,
Du coup... Non mais on est grillé les gars, c'est pas possible que ça passe. Genre là on passe. Bonjour, je suis nouveau chirurgien. Hé Larry, nouvelle coupe. Ça troll de fou. Du coup, défibrillateur. Oh, quelle horrible manière de mourir. On va pas le tuer devant tout le monde quand même. Donc on va tuer cette personne, la pauvre, elle est en train de dormir là. Ça va pas trop. On retire l'air, on se cache. On se cache ici. Le docteur Hawkins va venir, il entend les urgences. Donc il entend que ça va pas, le moniteur s'est arrêté. Et là, c'est la fin. Oh là là! On lui a mis un gros coup de jus. Oh mon dieu. Ça en a fait exploser ses yeux. Cassette 18, métal milicia. Ok, métal mandé. Je pense qu'on est dans un endroit où il y a plein de motards. Alors on cherche pas à comprendre, on coupe direct le power. On entre à l'intérieur. Et c'est tellement sombre. Tu me cherches? Attrapez-le les gars. Oh, ils vont m'attraper. Oh mon dieu. Attendez, on va se défendre. Non. Ah bah c'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Moi je dois les attaquer en premier. Yes. 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 Je bouge pas, je les attends. Du coup j'ai plus de chances de gagner. Oh là là, tout ce qu'il y a. Non, il a réussi à me planter. Ok, je pense avoir compris. Il faut les attaquer quand ils marchent. Quand ils viennent vers moi, je les attaque. Allez, venez. Allez. Allez, il faut une nouvelle arme. Yes. Allez. On va y arriver. Quand ils marchent, ils sont vulnérables en fait. C'est bon? Non, c'est pas bon. Allez. Yes. Idiot inutile. Ah mais t'es mort hein. Toi t'es clairement mort. Oh l'arbalète à Daryl. Allez t'es fini. Recule. Ce n'était pas moi. Ouais. Tu vas voir ça. Dans la tête. Même pas dans la gorge. Oh là là. Incroyable. Mieux que le jeu des fléchettes les amis. Plus de flèches dommage. J'en aurais bien envoyé 10 de plus. Cassette 19. Kills them all. Un bon petit jeu de mots. Donc on a un concierge qui nettoie. Regardez, j'ai l'impression qu'il y a notre ombre sur la scène. On est trop fort. On s'est fait passer pour un mannequin. Du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc on va entrer. Oh, on a un marteau. On va lui écraser la tronche. Non, c'est un mannequin. Quoi? Grenade flash? Oh! Ils sont gavés? C'est le GIGN, les gars? Il est parti! Séparez-vous! Ok, il faut trouver un moyen de sortie. Comment? Oh là! Oh là, il y a quelqu'un qui arrive. On pourra se cacher. Quelqu'un qui arrive encore. Les gars, ça va être chaud. Il y a le SWAT qui est venu pour moi. Non, j'ai réagi trop tard. Je voulais le tuer, mais j'ai hésité, mais je l'ai quand même fait. Bref, c'était compliqué. Ok. Quand ça me kill, je vais le tenter direct. On va voir si ça marche. Oh. On lui a explosé la tronche. Il a même pas vu son pote. Allons, Splank. Lui aussi, il va y passer. Regardez, hein. Oh, le bruit que ça fait, c'est trop drôle. On dirait une cloche. Ah, je me régale. Je suis complètement possédé, je pense. Ok, on peut aller à l'intérieur. Waouh, mais c'est une référence à FNAF ou quoi? Non. Oh, c'est trop drôle. La Ristoy.
On dirait Woody. Du coup, on va le casser. À l'intérieur. Ok. Non! Ah, j'étais trop gourmand, les gars. Oh là là. Donc, ils sont 3? 4? Ok, j'ai essayé, j'ai tenté. Faut trouver le bon timing, en fait. Vous avez vu la ronde qu'ils ont? Ça va être compliqué. Si je le tue, là, je suis mort. Ok, j'ai failli me faire avoir, les gars. Oh là là, ça va être dur. Allez, bouge. Toi, t'es mort. Oh mon dieu, la tronche. Il lui a fracassé le visage. Il va y passer, lui aussi. Oh, les deux au même endroit. Vraiment, hein, au pixel près. Ok. Faut qu'on se fasse les deux autres. Il va voir les corps, il va halluciner, non? Exactement au même endroit. Oh, la précision. La précision du tueur. Allez, le dernier. Et le dernier bruit de cloche. C'est bon, on va pouvoir s'échapper, je pense. Du coup, on va monter. Oula, c'est un plancher qui grince, ça. Porte verrouillée. On peut la casser? Non, il n'y a pas d'intérêt en fait. J'en ai tellement marre ces conneries. Tu vas voir, mec. Oh, j'aime trop ce bruit, il est incroyable. Ok, on s'échappe. Comment je fais? Le prendre en otage, ok. Vous êtes prêts? Oh, on s'est gavé. Ok, faut faire attention s'il prend des dégâts. Oh, c'est trop bien ce qu'on fait. C'est incroyable. Faut pas qu'il prenne trop de balles, sinon il y aura plus rien pour protéger. C'est bizarre que les balles n'aient pas traversé d'ailleurs. Ok, on y va. Voiture de police. Swatching, il y a tout. Et on conduit et... Oh, incroyable. Ne t'inquiète pas, tu es safe ici. Tu vas voir ça, mec. Oh mon dieu. Du hachis parmentier. Oh mon dieu. Ce final, il est épique. Ok, on rebascule sur le commissaire, l'enquêteur. On a trouvé 3 NGIS. Oh, notre pote, malheureusement. Pauvre Martin. Il s'est fait étrangler dans la voiture. Ok. La pauvre fille qui a chuté à sa mort. Et ouais, mais on l'a un peu aidé avec la batte de baseball, on va pas se mentir. Des remords? Est-ce que c'était un accident? I am sorry. Eh ouais, il a dit je suis désolé sur le mur. Et du coup... Ok. Ah, un couteau avec des empreintes. Oh, regardez le cadre. Une photo de Madison de son école. Attends une minute. Mais c'est presque toutes les victimes. Et c'est l'école qui a brûlé il y a quelques années. Tout est connecté. Ok, c'est des anciens élèves en fait. Donc toutes les victimes, elles sont allées à l'école de West Pine High. Ou sinon, ils ont eu un job là-bas. L'école, elle a brûlé il y a un an à cause de raisons inconnues. Donc le 30 juin 1982. Donc tout le monde s'en est sorti, sauf le concierge John Wade. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et je pense que c'est nous, le tueur John Wade. Est-ce que le tueur pourrait être John Wade, qui cherche une revanche et qui blâme les victimes pour ça? Mort, entre guillemets, vu qu'il n'a pas été retrouvé. Et on dirait qu'il aimait Madison. Et pourquoi il détestait les autres? L'école existe toujours. Elle n'a pas été touchée depuis une année. Je vais aller vérifier là-bas. Ok, les gars, tout est connecté maintenant. On sait d'où ça vient. Ok, donc toutes les victimes, elles ont un point commun, elles sont allées à la même école. 30 juin 1982. Donc on revient à l'époque, regardez, on est le concierge. Et c'est notre tête. Ok. Est-ce que t'as laissé un cadeau dégoûtant à nouveau, John? Donc ça, ça doit être le proviseur. Il est tellement dégueulasse. Reste en dehors de la salle des profs, t'es un monstre. Va nettoyer les toilettes, idiot. Ah ouais, en gros, on se mangeait la misère de tout le monde. Hé, le bizarre, nettoie ça. Bonjour, monsieur Wade. J'ai adoré votre cadeau, merci. Oh, c'était la seule qui était gentille avec nous, en fait, la pauvre. Laisse cette fille tranquille. D'accord, je comprends mieux. Ah ouais, mais on est secrètement amoureux d'elle. On sera ensemble un jour. Ah ouais, mais tu l'as tué, mec. C'est horrible. Ne t'inquiète pas, mon amour.
Et regardez, on a le masque à droite. What? C'est l'incendie? C'est le fameux incendie? On va voir comment ça s'est passé. Oh non, on était piégés dans notre chambre avec les flammes. Ok, c'est eux qui ont foutu le feu en fait. Ils ont fait exprès. Ils s'en foutent de nous laisser là, de nous laisser brûler. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh mon dieu, c'est horrible. Comment s'échapper du coup? K720, Meteor Maker. What? Il y a un coup de feu? Mets en place le piège. Ok, piège à ours. On en a 5. On met un piège. Deux pièges. Donc regardez, l'école a toute brûlée et on est encore dans l'école. Donc on a mis les pièges. Prends l'arme. Donc c'est la masse qu'on a vue dans notre chambre. C'est horrible. Ils ont essayé de nous tuer, clairement. C'était un assassinat. Ils ont foutu le feu chez nous. Ok. Et ça va se passer comment du coup là? 5 minutes plus tôt. D'accord. Donc là, il y a le flic qui arrive. Et là, je contrôle le policier. Ok, on tire sur le cadenas pour ouvrir. West Pine Hike, c'est l'école. Du coup, je contrôle qui? Il y a les pièges, faut faire gaffe. Hein. Qui va gagner, le gentil ou le méchant? Ok, on peut esquiver les pièges comme ça, c'est trop stylé. Allez. Moi, je pense que les gentils vont gagner. On est côté police. C'est horrible ce qu'il a fait. C'était pas justifié non plus de tuer tous ces gens. Ça doit être où il vit. Il y a des cassettes de ses meurtres. Mais il est complètement taré. On dirait qu'il est parti par la ventilation. Les gars, il faisait des cassettes de ses meurtres. Il faisait des best-of. J'arrive pour toi, détective. What? Ok, les gars, faut se préparer. Oula. Oh mon dieu. Il peut sortir de nulle part là. J'ai peur. J'ai peur. Oh my god. Oh, ça va être un sacré fight. Ça me fait rire comme il fuit. Bon, malheureusement, on a joué le méchant toute la partie. Là, on va jouer le gentil. Ah, il va de plus en plus vite. Oh, c'était limite. Allez, il va bien crever un jour. Non. Il m'a eu. Allez, on va y arriver. On n'a pas le choix, de toute façon. Les gars, il va venir super vite après, c'est compliqué. Je vous conseille de jouer à la manette si vous jouez au jeu. Moi, je suis au clavier. Ok, il va accélérer là maintenant. Ça va devenir Sonic. Je sais pas si j'ai balles illimitées. Oh mon dieu! Allez, viens! C'est bon, on l'a eu! On l'a eu, les amis! Il est enfin mort. Vous avez fait votre enquête, Slick? Je suis désolé de vous dire ça, monsieur Pawlowski. Mais le corps, il a disparu. Le corps est quoi maintenant? Oh my god! Ça y est les gars, c'est la fin. Mais c'est pas terminé du coup. On n'a pas retrouvé son corps encore une fois. Oh là là, la version finale était incroyable. Et ça nous laisse présager un 2 du coup. Et ouais, The End avec un point d'interrogation. Oh, il est là. Avec sa tronche de fou. Les gars, on aura une suite, c'est sûr. Oh là là, c'était incroyable.